Devant les enjeux d'aujourd'hui, j'ai la conviction de plus en plus profonde que nous n'allons pas parvenir à respecter l'humain là devant sans apprendre à mieux comprendre et respecter l'humain là dedans. Et nous n'allons pas par hasard tout d'un coup respecter la nature là tout autour sans avoir appris à respecter notre nature intime. Et ça s'apprend. C'est en ça que je parle d'intériorité citoyenne. C'est la qualité de notre vie intérieure qui nous ancre et qui nous inspire, qui non seulement commande, mais féconde notre vivre ensemble, notre capacité à être des citoyens responsables et engagés.